thank you Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 22 e épisode On se retrouve sur le serveur Holy City Pour vous présenter à peu près ce qu'on a fait Pendant ce temps là Alors Alors du coup nous avons travaillé un peu sur la base Nous avons fini le pattern au sol Nous avons fait une petite salle de bain juste ici Avec un, un petit jacuzzi Des petits lavabos ainsi de suite Une petite bibliothèque Pour pouvoir enchanter les stuff Et lire un petit peu les livres tout simplement Là ce n'est pas fini un petit labo pour ça, euh, avoir à disposition tous les blocs d'objets du jeu, forcément. Ici, la chambre qui n'est absolument pas finie. Sur le village, du coup, on avait fini de creuser, comme vous avez pu voir dans le dernier épisode. Nous n'avons pas fini toutes les murailles partout. Il y a beaucoup encore de zones de spawn et ainsi de suite. Je ne pas où je l'ai arrêté. On a terminé la muraille Non. Peut-être pas moi qui qu l'ai terminé. Ici, on manque un peu... Elle est terminée, en fait. La... Ah, elle manque juste là, devant. Juste là, là. Mais bon. C'est insignifiant comparé à ce qu'on peut faire. Alors, je voudrais bien que tu d'école, S'il te plaît. Alors, ici, il y a popé une petite ferme à Netherwarts ne fonctionne pas très bien vu qu'il en faudrait beaucoup plus pour que ce soit rentable elle n'est pas tout à fait tout éclairée j'ai atterri dans l'eau et j'ai des gros problèmes de, de latence sur le serveur là comme vous pouvez voir c'est un trou c'était pour l'accueillir avant mais ça s'est pas produit du coup on l'a mis au-dessus parce que ça posait trop de problème on a commencé la décoration de la tour à de la, la ferme à faire oui on y arrive voilà la SPA est terminée donc vous pouvez voir dans les rediff de live à quoi elle ressemble, en dessous hors caméra on a fait un petit peu d'abattage sélectif avec une mise en lait la partie pour faire des steaks et un petit truc pour faire des, des poules grillés en automatique forcément ici nous avons mis une petite remontée pour remonter tout simplement hop on va quand même passer dedans hop là ça vous connaissez déjà un petit peu ça avait déjà été fait depuis un sacré moment donc là vous connaissez c'est la petite spa rien de particulier dans les derniers lives aussi nous avons fait la décoration de ce petit endroit, Mais on, finit on a fini parce qu'on avait déjà fait la partie de haute du, du projet. Et là, nous avons fait la partie basse. Avec déjà l'endroit où vous tuez les squelettes. Donc les squelettes tombent ici, vous les tuez, hop. Et après, ça part au tri. Et bien sûr, je me suis trompé de chemin. Pourquoi Parce qu'il y a 50 chemins. C'était ici. Voilà. Donc voilà. La petite zone de tri. Hop. On va passer, on va passer par le raccourci. Le balcon, tout simplement. Parfait. Voilà. Donc ça, vous avez euh, tous les, euh, les os, les flèches, les pièces d'armure. Vous avez aussi les loot de la ferme à pêche. Qui reste ici. Beaucoup de, de loot inutiles. D'ailleurs, il reste beaucoup de cannes à pêche et choses comme ça. Les cannes via ce minecart, je les envoie dans la, les fours, qui sont un peu plus haut. Donc, euh, c'est un système euh, basique. Euh, vous envoyez le minecart, il se décharge en haut. Et une fois qu'il est, vi qu est vide, vous pouvez passer. La petite porte des coulisses, hein, nous, nous allons pas nous attarder ici. Voilà, avec la petite vue sur le minecart. Hop, et redescend parce qu'il n'y a rien dedans, forcément. Alors, ensuite. Du coup, on va utiliser le chemin qu'on avait pris tout à l'heure. Pour avoir l'ascenseur. Qui nous emmène directement dans la cabane. Voilà. Nous avons fait une petite ferme à cactus aussi. Si on avait besoin de verre pour faire le spawn. Donc nous avons fait une ferme à cactus. Qui donne. Si j'arrive à sortir. Bien sûr, je me suis tapé les côtés. Qui donne pas mal. Forcément, le spawn est toujours généré. Là Actuellement, le spawn est toujours ici. Derrière, vous avez les premières visions du spawn customisé. Ici, nous avons fait une petite ferme à, oh, Hop. à champignons, tout simplement, qui est beaucoup plus rapide que certaines fermes qu'on peut trouver et qui donne quelques champignons. Voilà, très peu de bonnes milices vu qu'ils réutilisent. Ce qu'il produit et ce que produit aussi la ferme à faire. Avant, on récupérait la bonne mise via des coffres. Maintenant, je vais l'envoyer directement pour alimenter ici. Alors, nous allons voir le spawn. Hop Donc, spawn euh, trouvé sur la sur un site de téléchargement bien connu qui s'appelle Planet Minecraft. Nous avons passé des heures à tout changer parce que de base, il était tout en laine. Donc là, le seul vestige de laine, c'est les carpettes pour protéger les machins. Il y avait aussi beaucoup de diamants qu'on nous avons transformés forcément. Vous avez des petites euh, plaques de pression pour pouvoir être portées dans les bases. C'est les commandes blocs. Il n'y a pas de, de plugin spécial, je n'ai pas voulu en mettre. Je préfère beaucoup mettre des commandes blocs. Surtout que la plupart des gens qui viennent sur le serveur n'ont pas le temps, comme moi, on va dire... De se promener, vu qu'ils sont là juste pour faire de la décoration ou pour me construire un spawn. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai construit. J'ai fourni toutes les matières. Mais ce n'est pas moi qui l'ai construit. Mais bon, avec thématica, forcément, ça va bien. Donc, lui est bien beau. Il est euh, un peu loin. Et maintenant, on va vous faire voir le deuxième résident de ce serveur, Monsieur Quentin, qui est tout au bout. résident permanent qui s'est installé euh, au niveau de ma tour à Piglins. Ma remontée de tour à Piglins. Que d'ailleurs faudrait que je customise parce que c'est vraiment pas très sympathique. Après, monsieur Quentin ne veut pas faire de live. Alors on va y faire voir son biome. Le biome fait par les abonnés, hein, pareil. Là j'ai même pas farmé. J'ai peut-être donné un peu de, de bois. Eh, c'est du chêne ou c'est pas du chêne Qu'on se pose la question. Hop, un. Hein. Non c'est pas. C'est du chaîne. Je suis bien d'accord. Hop, on met ça là. On enlève et on saute. Donc très joli, pareil l'Athmatica. Monsieur Quentin est pas très à l'aise avec les, les constructions. Il préfère rénover un peu les, les choses. Alors ça c'est très moche. Il aime bien mettre des blocs moches partout. base de la base je sais même plus comment on, je sais même pas comment on y va dans sa base et la mis des lanternes ah, c'est clair rien hein. et elle a mis de la neige non c'est la neige c'est de la carpette c'est de la neige là oh, on voit bien les trous hein. on a bien j'ai bien cassé quelques pioches hein, pour euh, pour creuser tout ça bien du coup on va repartir. Du coup, lui aussi, il a un command block. Si je me rappelle où il est, je crois qu'il il l'a mis juste ici. Voilà. Faut que je mette la portée du nether dans ce euh, bâtisse. Euh, on a combien en coordonnées Je crois qu'on a en moins de 127. On va at atterrir pas trop loin de, de mon spot. Parce que, du coup, la plupart des abonnés qui, sont, qui viennent sur le serveur euh, trouvent que ma base lag. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Moi, ça ne lag pas du tout. Après, on n'a pas le même PC. C'est pas parce que j'ai des, euh, j'ai plein de choses qui se passent en même temps. Et les fours, la remontée des fours, je pense que c'est un gros problème de lag. Euh, oui. Et la façon de la remontée des fours, vous l'avez déjà vu la dernière fois. On va passer dans le heures. La dernière chose. Ah, il faut que je vous fasse voir aussi son ancienne base. Parce que du coup, on avait, il avait fait musique aussi avec la Donc, du coup, on avait fini un peu la partie ici. Il nous manque encore une grosse partie de... Je vais sortir dehors, ce sera peut-être plus simple pour vous faire voir, si j'arrive à sortir. Hop, on va des dégâts. Donc, comme vous avez pu voir, on a dégagé une sacrée zone, pour pouvoir euh, arrêter de laguer. Ah d'ailleurs, il y a une shulker ici. Oh, une shulker de quoi De stone, pourquoi il y a une shulker de stone ici Hop, je récupère, je lâche le cœur. Ça se trouve il y a encore des choses. un a fait muse là, on a sacrément muse. Je sais pas qui c'est qui fait muse ici. Oh oh, ah c'est là que je dois l'emmener monsieur à lui qui me disait qu'il aime bien le PVP. Hop, il, est, il serait servi ici. Je, je crois que la tour à mob est juste au dessus. Bon maintenant faut que je retrouve le spawn. Casser la tête. Donc voilà. Hop, on va se mettre là. C'est pas mal. Que vous pouvez voir de, une vue euh, comme ça. Et à terme, on va déblayer toute la partie des euh, oracles qui est ici. Bah, je vais déblayer parce que mon avis, je le ferai tout seul. Là. Vu qu'apparemment, ça fait laguer les autres personnes. Nous avons décoré aussi un petit peu la ferme à piglins Forcément, ça va de pair avec la tour qui est ici. Et c'est pas fini du tout mais c'est juste pour décorer un minimum d'ailleurs encore une j'en mets partout c'est euh... oui oui euh... fonctionner encore vous maintenant euh, vous avez fini alors le quartz euh, il a remonté un peu ouais, pas beaucoup hein. et le gravier il est dû remonter par contre lui ah, pas tant que ça à la par contre c'est pas mal euh, le faire un petit peu l'obsidienne, façon enfin, ça, ça sert pratiquement pas pour la crédine. Il y en a un petit peu de ça, pareil. Et on va voir les déchets aussi au passage. Donc, là, vous avez un petit passage pour passer ici, ouais, c'est un peu plein de l'autre côté. Ça dit que c'est plein aussi. Il va falloir tout décharger donc vous avez un destructeur comme euh, sur la plupart à chaque fois et on pouvait très facilement détruire tout ce qu'il y a à détruire je pense même mettre ici un stockage pour euh, pour ça tout ce que je... je pourrais même mettre plusieurs choses et faire des du tri vraiment à la main de toute façon si je dois déjà trier les euh, tout je vois pas pourquoi je trierai pas tout à la main euh, oui, je voulais vous faire voir, l'ancienne base à ah, Monsieur Quentin, qui l'a abandonné d'ailleurs. Ici. Pourquoi Parce que du coup, je lui ai dit que c'était un lightmatic très très moche. Donc il a essayé un peu de l'arranger, mais il manque cruellement de place dedans. faut faire quelques améliorations, quelques aménagements, mais je ne compte pas le supprimer, cette euh, c't place. Je ne sais même pas s'il n'avait pas laissé, laissé les choses dans les coffres. C'est un petit peu quand même. Beaucoup de saloperie, mais il y en a laissé Hop, il Il vient de servir de mes forêts pour s'en faire aussi. C'est fait. C'est encore là les pandas ou pas <laughs> La technique. Je l'ai vu. Hein. C'est joli Bonjour les pandas. Bon, nous allons repartir du coup. Ah oui, c'est vrai, c'est le bout de mon bio, mais ça. Et en plus, il était trop proche de, de moi, c'était un peu compliqué, compliqué quand même. Euh, il va falloir faire cette maison-là et faire toutes les autres maisons. La ferme à bois. Ah, la ferme à bois, elle fonctionne! La ferme à bois fonctionne! Attention! Je sais pas si on l'avait fait voir ça dans, dans le Warlord. Mais la ferme à bois fonctionne! Pour un sapin, est-ce qu'il y a un sapin? Oui, il y a un sapin. Et la ferme à bois fait laguer aussi. Beaucoup de personnes. Je sais pas pourquoi. La ferme à bois fonctionne! Bon, fermer du bois. Je crois que par contre, je peux pas le récupérer. Mais je peux le fermer. Je pourrais, ré... pourrais récupérer les feuilles, ce hein. serait plus pratique. Ah, vous avez entendu Ça a marché Donc là du coup, normalement... Alors, je vous explique. Mon problème était que euh, quand je, faisais, je la fais fonctionner, ça cassait la redstone au niveau. On va y arriver. Donc... Tout simplement. Je, fait. je fais sortir le bois maintenant au niveau de là où que ça casse. Pour mettre sur une petite ferme que Monsieur Sama a fait voir. Très intéressant. Je voulais la faire voir en vidéo mais du coup ça s'est pas fait. Parce que comme d'habitude j'ai galéré. D'ailleurs ça se voit euh, parce qu'au début elle était plus haute. Au début elle était plus haute. T'as pas piqué mes blocs toi que... Où sont partis mes blocs non, mais... Là il y en a un petit peu. J'arrive à les choper. Là j'arrive pas. Donc ici ça sert plus à rien. Mais bon, on se la garde. Ça fait un petit, un petit vestige. Ça sera parfait. Je voudrais bien y atteindre. Je vais essayer de monter au-dessus. Voilà, on va essayer de monter là. Donc, pareil avec du pli de TNT. Hein. Et normalement, si je suis assez doué... Hop, voilà Donc là, on a fait... Il faudrait que je casse celui-là. J'ai pratiquement plus de vie. Si je ne veux pas me tuer... Là, on va être... Bah, si, c'est bon, je suis mort. Bon. bon, pourquoi j'atterris ici Vous n'avez pas le lit ou d'encre Ouais. Prochainement, le, le, je pense que mon livre, on va aménager le spawn pour pouvoir accueillir des portails du Nether, un spawn du Nether, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, pour vraiment faire la chose. D'ailleurs, aussi sur le serveur, j'ai enlevé la propagation du feu. Tout simplement parce que j'en ai marre de réparer les. les arbres à Monsieur Quentin qui ont brûlé quelques fois jusqu'à présent. Donc, à la sauter. Et vu que euh, j'ai fait quelques petites choses dans le bois. Euh, le spawn est aussi près de ma base. C'est fait exprès. Si vous vous demandez. Tu veux bien décoller, s'il te plaît? Merci. C'était... C'est fait exprès, c'est que je voudrais... En fait, refaire des arches comme ça. Je pense que avec le Lightmatic, je vais récupérer les arches. Et en faire jusqu'à là-bas. Faire un pont, je ne sais pas, faire quelque chose. Pour vraiment que. D'ailleurs, il faut que je torche. Pour que ça le fasse. Eh oui, la plupart du temps, M. Quentin. Bah, Ou tout être abonné. Je parle de M. Quentin parce que c'est vraiment le joueur permanent sur le serveur. Dès que je commence à live, il vient, quoi, pour décorer ou me voler des ressources au choix. Enfin bref, je vous laisse. Sur ce... Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner, allez, follow mes réseaux sociaux et ma chaîne Twitch. Bonne vidéo. Au revoir.